Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partage la vidéo si on va parler. Si tu es un pasteur, un homme de Dieu que tu aimes, connecte-toi à mon direct ce matin. Je vais vous parler des secrets des hommes de Dieu. Des secrets que vous ne connaissez pas sur les hommes de Dieu. Des choses que peu d'hommes de Dieu vous diront. Seigneur, merci pour ta grâce. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. C'est un grand vendredi. Aïcha, où est-ce que tu es? Pourquoi tu es ici? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Don bingel anfer do wara be debbo mako yeccho agent sécurité do be accha be nasta to wari wadda be salon directement do be e hokam wadina 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 do musseni. Voilà, s'il vous plaît, tous les hommes de Dieu, vraiment, je vais vous partager la raison pour laquelle les hommes de Dieu meurent tôt. Pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils tôt à la fleur de l'âge? Connectons-nous. Taguez les hommes de Dieu, ils vont donner raison. Si je mens, vous dites. Dites ça ici, s'il vous plaît. Voilà, connectons-nous massivement. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à ce direct, que la personne vienne. Grand merci, le Wuli Faina. Est-ce que alors donne la demande derrière là? Ok, d'accord. S'il vous plaît, connectons-nous. Partage la vidéo. C'est chaud. Tous les hommes de Dieu, faites-les venir ici. On va parler. On va dire ce qu'il y a, que les gens ne disent pas, que vous ne connaissez pas des hommes de Dieu. We'll speak about it. On va parler de ça. Je vais vous partager des secrets. Parce que les gens ne connaissent pas ce que nous endurons. You don't know. Beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. Et ce vendredi est un vendredi spécial pour nous. C'est la grande nuit des flammes. Ah, il y a le prophète Paul, trésor, qui est là. Voilà. Donc, quels sont les hommes de Dieu connectés ce matin? Ils sont où? S'il vous plaît, les hommes de Dieu, let them come. Prophète Paul, trésor, qui appelle le prophète Merlin Mombo. Il y a Tino Sakpi Bertrand qui est là. Voilà. Bonne arrivée. Mon fils, que Dieu te bénisse. Et courage pour le travail que tu es en train de faire à Bafoussam. Ça, c'est extraordinaire. Tu es un bon guerrier. Ton père est content de toi. Il y a l'architecte romain. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est mon fils, le responsable de l'église en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est bien ça. Là aussi, c'est un pionnier. C'est un pionnier, il faut le dire comme ça, dans le ministère. Mon fils, je t'aime beaucoup et tu as toute ma bénédiction. Voilà des enfants qui sont demeurés loyaux après tant d'années. Que Dieu te bénisse, qu'il te récompense pour ta persévérance. On a l'évangéliste Benoît à Fion qui est là. D'accord, bonne arrivée, mon évangéliste, que Dieu vous bénisse. Il y a qui? Il y a encore quel homme de Dieu ce matin? S'il vous plaît, envoie les cœurs, non, mes amis. Envoyez-moi les cœurs et les pouces bleus. Et taguez les gens pour ce direct. Partageons la vidéo. Vous savez qu'il y a des ennemis dans l'ombre qui signalent mes vidéos. Taguons, il faut taguer les gens. Là, tu invites la personne à être connectée au direct. Évangéliste, bienvenue. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée, homme de Dieu. Qui encore est là? Donc, je disais qu'on a la nuit des flammes ce soir. Tous les habitants de Yaoundé et nos bien-aimés qui sont à l'étranger ou hors de la ville, soyez connectés ce soir à partir de 21h. Dieu se manifestera de manière exceptionnelle. Je dis encore exceptionnelle. Le sujet dans la ville de Yaoundé ne manquez aucunement à cette grande nuit de flammes. La nuit de flammes, c'est une occasion où le Seigneur te bénit, où tu parles avec le Seigneur, où tu développes ton intimité avec Dieu. Voilà, donc la nuit de flammes, c'est pour ceux qui sont consacrés à Dieu. Invitez les hommes de Dieu et les frères, tout le monde doit être là. Pasteur Ayouk, Joseph Ayouk, Raymond. D'accord, taguez les gens, taguez les gens. Je ne vais pas dire que vous appelez les noms des gens. Et taguez là, ça veut dire que tu vas dans sa page, tu cliques, tu l'invites. Voilà, à suivre le direct. Je crois que c'est ça, taguer. Je crois bien que c'est ça. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux, souverain de Jésus. J'ose croire que la vue ici, elle est belle. Voilà.
Donc, partageons la vidéo. Partage la vidéo. Partage. On n'a pas encore atteint 200 vues cumulées. On a besoin de ça. Donc, partageons la vidéo. Nous attendons. Il est déjà 10h06. Voilà. Moi, je pense que je vais commencer. 10h06 là, parce que ici, ça va trop vite. Dans la nuit de flammes, si tu n'as jamais assisté à la nuit de flammes, je te conseille d'être là ce soir. Fais tout pour être là ce soir à la bière. Et Dieu se manifestera puissamment dans ta vie. Tu ne le regretteras pas. C'est un moment, c'est un lieu où nous allons adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va chanter pour lui. On va entrer en communion avec le Saint-Esprit dans des dimensions effarantes. La main de Dieu sera sur nous et sa gloire se révélera du haut des cieux. Voilà. Et vous allez remarquer que chaque problème que vous apportez à la nuit de flamme, le Seigneur le résout. Il a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, à mon nom, je le ferai. Donc je crois en Dieu pour toi, je crois en Dieu pour ta famille, et je crois que sa fidélité sera un bouclier pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème que nous allons développer ce matin, c'est pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils tôt? Pourquoi est-ce qu'ils meurent tôt à la fleur de l'âge? Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes de Dieu meurent tôt? Vous savez que parfois, lorsqu'on voit un homme de Dieu mourir tôt, on se dit, ah non, c'est sûr qu'il ne servait pas bien Dieu. Vraiment, c'est un problème. Vous prenez par exemple Papa Idaouza, il est mort dans la soixantaine. Papa Zak Fomoun ici, au Cameroun, est mort dans la soixantaine. Il y a quelques-uns qui ont fait l'exception. Mais la plupart, vous savez aussi qu'en 2020, parce que 2020, on a perdu au Cameroun près de 300 pasteurs, 300 hommes de Dieu. En un an, 300 hommes de Dieu meurent. En un an, en une année. Et la majorité, c'était des jeunes. C'était des jeunes. Je me souviens d'un homme de Dieu que j'appréciais beaucoup, qui est venu, il entrait chez lui et il a ouvert la porte, il est tombé devant sa porte, il est mort. Et demain, nous avons perdu encore un géant au Cameroun, un apôtre qui est retourné au Seigneur. Et vraiment, nous sommes dans le désarroi dans tous les cas. On est dans le désarroi. Pourquoi autant d'hommes de Dieu meurent-ils? Pourquoi autant d'hommes de Dieu s'en vont-ils? S'il vous plaît, envoie les cœurs et les pouces bleus. On va essayer de voir. Et peut-être vous aussi, vous allez m'apporter votre observation personnelle sur les raisons pour lesquelles les hommes de Dieu meurent tôt. La première chose qu'il faudrait que chacun de nous puisse connaître déjà, que chacun doit connaître. Si on vous demande, quelqu'un m'a posé la question, et c'est des choses que les gens ne connaissent pas souvent. On a le révérend Bonito Soukpo qui est là. Bonjour, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. La première chose qu'il faut savoir en ce qui concerne les hommes de Dieu, quelqu'un m'a posé une question un jour, il m'a posé la question suivante. Prophète Kane, vous redoutez quoi? Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans votre vie? Vous avez le plus peur de quoi? Je lui ai dit la solitude. On me dit qu'il y a un bruit de fond là. Arnaud, qui est là? Arnaud, le direct là, vérifie-moi ça. Est-ce qu'il y a un mauvais bruit de fond? Là, il y a un direct. On m'écrit ici qu'il y a le bruit de fond. Est-ce que c'est ça? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Hein? Mets-moi un peu le volume là sur la télé. Est-ce qu'il y a le bruit, s'il vous plaît? Est-ce que le son est parfait ou est-ce qu'il y a le bruit? C'est sur la table là, mon fils. Le son est comment? On ne me suit même pas. Il a dit un bruit qui dérange direct. Mets un peu le volume, mets le volume. Est-ce qu'il y a un bruit là? Il y a le bruit. Le son est comment? Quoi? C'est ça. Il faut faire comment? Éteins un peu ça. Attendez, on règle ça, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas de bruit là. Éteins. Ça s'est arrêté. Hein? Le son est comment maintenant? Là, c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, dites-moi si le son est bon. Est-ce qu'il y a toujours le bruit? Est-ce que le bruit persiste?
C'est pas encore parfait. Vos écouteurs, sûrement. Est-ce que j'espère que c'est pas la clim? Ok, attendez. Faire sans écouteurs aussi, ça c'est compliqué. Bon, là c'est comment? Là c'est comment? Est-ce que le son est bon maintenant? On vérifie d'abord. Hein. Le son, est-ce qu'il est meilleur maintenant? Est-ce qu'il y a toujours le bruit? Est-ce que le bruit persiste? C'est pas encore parfait. Vos écouteurs. Là, c'est comment maintenant? J'espère que c'est pas la clim. Ok. Attendez. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Là, c'est comment? Là, c'est comment? C'est bon. Il n'y a plus de bruit. On vérifie d'abord. Hein? Le son est meilleur. Hein? C'est ambiant. D'accord, là, vraiment, le son sera ambiant. Ça ne va pas toujours. Est-ce que c'est pas mon téléphone? Là, c'est comment maintenant? Est-ce qu'il y a le bruit encore à la télé là-bas? C'est bon. Ok, là on dit que c'est bon. Ok, donc c'était les écouteurs. Regarde un peu dans mes. Est-ce que vous branchez les écouteurs dans mon téléphone? Regarde, regarde un peu dans. Non, ça va. Donc voilà, bien aimé. J'étais en train d'expliquer que quelqu'un m'a demandé. Baisse le volume là-bas. Quelqu'un m'a demandé un jour, prophète Kané, quel est votre plus grand. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Approche-moi ça. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Et j'ai répondu sincèrement à la personne, c'est la solitude. La solitude. Et donc, la question que la personne va me poser est une question tout à fait normale. Et vous-même, vous la posez. La question c'est, mais comment vous êtes autant entouré? Et vous dites que vous avez peur de la solitude. Et je lui ai expliqué qu'en fait, ne regardez pas les gens qui nous entourent. Ne regardez pas les gens qui nous entourent. Ne regardez pas les hommes de Dieu qui sont entourés comme ça. La plupart du temps, ils sont solitaires. On est solitaire. C'est ça la vérité. Et pour vous donner une idée, vous vous souvenez, la Bible dit que Jésus-Christ prêchait un jour. Et pendant qu'il prêchait, son église avait atteint plus de 5000 personnes. Il prêchait à plus de 5000 personnes. Et il était tellement entouré. Il était bien entouré. Quand on le voyait, les gens étaient là. Tout le monde voulait le toucher. Chacun posait son problème. C'était l'homme du peuple. Et l'homme que le peuple aimait. Et donc, à voir le Seigneur Jésus-Christ, on savait que c'est quelqu'un qui ne manquait pas de compagnie. C'est ça la vérité. Et c'est vrai, il ne manquait pas quelqu'un qui puisse passer du temps avec lui. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui partage nos souffrances avec nous. Pas quelqu'un qui vient nous partager ses souffrances. Et c'est ça la différence. C'est ça le problème. Ça veut dire que nous sommes le plus souvent entourés d'une multitude. Mais qui a son intérêt? Une multitude qui est là pour trouver la solution à ses problèmes et ne se soucie pas du problème de l'homme de Dieu. Ne se demande pas est-ce que l'homme de Dieu, lui, il va bien. Combien de chrétiens demandent à leur pasteur comment tu vas? Et sincèrement, peu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, être entouré des gens qui sont là pour résoudre leurs problèmes, parce qu'ils vous voient comme la solution à leurs problèmes, ne vous sort pas de la solitude en fait. Vous êtes seul en réalité. Donc, vous verrez, Jésus-Christ, il prêche, il a 5000 personnes, plus de 5000 personnes dans son église. Il prêche à ces personnes-là. Il leur parle. Et puis, les gens sont émus, les gens sont attentifs. Et Jésus dit cette phrase, « Si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne sera pas propre au royaume de Dieu. » Et les gens commencent à dire, « Ah, on vous avait dit c'est un sorcier. » Les mêmes personnes qui étaient avec lui sont devenues contre lui sur place. C'est-à-dire les gens ont basculé d'un extrême à l'autre extrême. Les mêmes personnes qui disaient, « Il n'y a pas comme toi. C'est toi, vraiment, tu es docteur venu selon Dieu. » Tu dis la vérité, vraiment, tu nous guéris, nous t'aimons. Les mêmes personnes ont commencé à condamner Jésus sur place. 5000 personnes, ils se sont levés et ils sont partis. Ils l'ont abandonné. Il n'y a eu que 12 personnes qui restent avec Christ. Ces 12 apôtres. 5000 personnes, vous voyez? La solitude. Donc, il était entouré de plus de 5000 personnes, mais personne n'était prêt à mourir pour lui. Mais lui, il était prêt à mourir pour le peuple. Et c'est ça les hommes de Dieu en fait. Nous sommes prêts à mourir pour le peuple, mais le peuple, au jour de notre détresse, n'est pas prêt à mourir pour nous. Qui peut mourir pour son pasteur aujourd'hui? C'est rare. Les gens qui peuvent se tenir au jour du malheur des hommes de Dieu pour les soutenir. Donc,
À partir de ce moment-là, la solitude devient quelque chose de sérieux, une maladie générale et globale pour tous les hommes de Dieu. Peu sont ceux qui, dans notre entourage, on entend l'homme de Dieu tomber dans l'adultère. La personne dit que c'est mon père, je serai loyal, je vais l'aider à se relever. L'homme de Dieu a eu telle difficulté, je vais l'aider. L'homme de Dieu est en prison, l'église va se vider. L'homme de Dieu a eu un AVC. Les gens vont quitter ton église pour aller chercher une église où l'homme de Dieu n'a pas l'AVC. Il faut comprendre ça. C'est des réalités qu'il faut comprendre. Ça fait mal, mais il faut comprendre cela. L'œuvre de Dieu est une œuvre ingrate. Chaque pasteur doit connaître ça. Chaque homme de Dieu devrait le savoir. Jésus se retourne vers les 12. Il leur dit, mais pour vous, et vous, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partis? Et Pierre lui répondra, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les 12 vont rester avec lui. Mais à Gethsemane, où étaient les 12? Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, lorsqu'il s'agissait de défendre Jésus au risque de sa vie, au risque de mourir, les autres étaient où? Personne. C'est l'apôtre Pierre qui s'est même battu pour aller jusque dans la cour du gouverneur pour voir et suivre ce qui se passait. Mais quand on l'a reconnu, on lui a dit que tu es avec lui, tu es l'un de ses disciples. Il a dit quoi? Je ne le connais pas. Il a renié Christ. Et donc, les 12 aussi ont disparu. Ils sont partis. On ne les a pas vus. Même Jean qui aimait le Seigneur, le gars n'a pas sacrifié sa vie pour ça. Et à la fin de ses jours, avant de mourir, des milliers de gens que Jésus-Christ avait bénis. Il y avait combien de personnes au pied de la croix? Deux. Jean et sa mère. Certainement, Jean s'était rattrapé. Il a dit non, je l'ai abandonné au début. Maintenant, je ne veux plus l'abandonner. Et donc, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et sur des milliers de personnes, il n'y a que deux qui l'ont accompagné au pied de la croix. Les autres étaient où? Les 11 autres apôtres étaient où? Les milliers de personnes étaient où? Donc, Jésus-Christ était seul. Il était seul. Et je pense que c'est à cause de cette solitude que le plus souvent, il se retirait seul sur les montagnes pour prier, pour faire des vraies prières. Et au jour de sa détresse, dans le jardin de Gethsemane, lorsqu'il a demandé aux apôtres de prier, veiller pour lui, prier avec lui 3 heures du temps, ils n'ont pas pu. Les gars dormaient. Mais si c'était leur tête qui devrait être coupée, est-ce qu'ils dormiraient? Non. Donc, l'un des problèmes partagés entre tous les hommes de Dieu, c'est la solitude. Ça veut dire que chaque homme de Dieu doit savoir que si un malheur lui arrive là, si son église ne se vide pas, c'est qu'il a beaucoup de chance devant Dieu. Ça veut dire qu'il y aura au moins peut-être une ou deux personnes qui resteront, diront que notre pasteur, il a l'AVC. Je ne peux pas quitter l'église, je vais rester ici, je suis membre de cette église, mais si mon père spirituel aujourd'hui est paralysé, je vais toujours aller, maintenant j'irai le servir à la maison chez lui. Et il vient à la maison, on te masse le pied, il te prépare à manger, il prend soin de toi, elle quitte sa maison, elle vient, où elle et son mari, ils viennent, où le frère quitte son travail, tous les soirs il t'apporte à manger. Ça mes amis, vous attendez ça, même dans vos rêves vous n'aurez pas, en tant qu'homme de Dieu, tu n'auras pas ça. Chaque homme de Dieu doit savoir cela. Les multitudes auxquelles nous prêchons, tu fais seulement ton œuvre, ton travail devant le Seigneur, tu le fais avec bonne conscience, mais tout en sachant, tout en n'oubliant pas qu'au jour de ta détresse, les gens là vont partir. Si aujourd'hui tu as l'AVC, sache que ton église va se vider. Ils iront chez ceux qui n'ont pas les AVC. Si tu es paralysé, on a un homme de Dieu ici dans notre pays qui est un peu le père du réveil au Cameroun, le docteur Tchale Somba, de regretter mémoire, qui est mort aujourd'hui. Aussi jeune, dans la soixantaine, très jeune, mes amis, très jeune. Cet homme est le premier à remplir le palais des sports. Quelqu'un m'avait dit, donc maintenant vous mesurez le succès d'un homme de Dieu en remplissant le palais des sports ou bien... Non, mes amis, ce n'est pas que c'est le succès d'un homme de Dieu, c'est que va d'abord remplir ça, tu viens maintenant, on va causer après. On va donc voir si c'est ça qui fait l'authenticité d'un homme de Dieu ou bien c'est pas ça qui fait l'authenticité d'un homme de Dieu. Donc il ne faut pas, tu es là... Tu ne peux pas rassembler 10 personnes, ou bien les 50 que tu as, ça te dépasse, et tu parles à des gens qui ont quand même marqué l'histoire dans le pays, et tu veux minimiser leur œuvre. Va d'abord remplir. Quand tu as fini là, maintenant on va débattre si ça justifie l'authenticité ou bien pas. Il ne faut pas être dans parler sans agir. Donc le docteur Tchale Somba était le premier homme de Dieu au Cameroun à remplir le palais des sports, au point où l'espace, il n'y a pas d'espace. Donc nous dirons que c'est son manteau, c'est une porte qu'il a ouverte. Parce que le premier à avoir la victoire dans un domaine est le pionnier. Il est le père de la généalogie, tous ceux qui feront ces exploits-là. C'est ça la réalité. Comme nous les prophètes, quand vous lisez dans les écritures, les prophètes,
Hosé, le prophète Nebi, le prophète Rohé. Les Rohé et les Hosé, nous savons que le père, c'est Élisée. C'est lui le père de notre arbre généalogique. Donc c'est ça la vérité. Donc le docteur Charles Somba remplissait le stade du palais des sports. Et son église, c'était des milliers et des milliers de personnes. À l'époque, il avait la plus grande église dans la ville de Yaoundé et au Cameroun pendant des années. Il a tenu les rênes du ministère dans le sens de remplir les salles, les foules, drainer des milliers de gens. C'était le premier numéro un. Pendant longtemps, personne ne l'égalait. Mais cet homme est mort. Les gens ne sont pas allés. On l'a oublié. On l'a oublié. Il est mort. Je croyais que son église allait être pleine à craquer. Mais cependant, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été le cas. L'église était vide. J'étais là-bas. L'église était vide. Il est mort. On n'en a même pas fait un sujet vraiment sérieux ou important dans la nation. Non. J'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu, quelle triste fin pour un héros. Quelle triste fin. Il a été abandonné. Tout ce qui importait aux gens, c'était de disputer ses biens. Qui va prendre l'église? Qui va hériter de l'église? Et il y a eu les guerres, les divisions, les batailles et tout ça, et tout ça, et tout ça aujourd'hui. Docteur Charles Somba est parti comme s'il n'avait jamais vécu. C'est ça la vérité. Donc, je pense que les hommes de Dieu, le plus souvent, sont seuls, mes amis. Ils sont seuls. Pourquoi? Parce que ceux qui entourent les hommes de Dieu, le plus souvent, ils sont rares. Ceux qui aiment les hommes de Dieu pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. C'est ça la réalité. La plupart des hommes de Dieu qu'on voit là, les gens qui leur vouent fidélité, tout ça, si l'homme de Dieu tombe, il n'a plus 5 francs, les gens là vont disparaître. Ils vont partir. Ils vont partir. Et il faut savoir ça. Chaque homme de Dieu doit connaître ça. Je vais donner un autre exemple qui est simple. Prenons le cas du docteur Jean-Doc Camden. Prenons son cas. Prenez le cas du docteur Jean-Doc Camden. Vous voyez, le docteur Jean-Doc Camden, c'est un jeune homme révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est un révolutionnaire. Quand il dit révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a le courage du lion. Il a le cœur d'un lion, la force du buffle. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup défendu au Cameroun. Ça, que quelqu'un l'aime ou que quelqu'un ne l'aime pas, c'est son problème. Mais vous ne pouvez pas fausser l'histoire. On ne peut pas fausser l'histoire. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un sur quelque point que ce soit, vraiment, ça, c'est vos problèmes personnels. Mais en ce qui concerne l'écriture de l'histoire, il est entré dans la légende. C'est une légende pour l'église au Cameroun. Que tu le veuilles ou pas, on ne peut pas, tu ne peux pas haïr quelqu'un parce que tu es quelqu'un et tu veux bafouer son œuvre. Tu ne peux pas. L'histoire te combattra. Donc, le prophète Camden, pour dire vrai, il nous a ouvert la voie pour l'excellence, moi personnellement, et les autres aussi, même ceux qui ne veulent pas reconnaître ça. C'est de l'orgueil, l'orgueil dans rien. Il nous a, voici ce que Dieu l'a utilisé pour amener au Cameroun, dans l'église. D'abord, la motivation de la jeune génération, de nous, ces petits frères, nous qui étions derrière. On a vu qu'avec Christ, on peut le faire. Tu peux être ferme, tu peux être un bon soldat. On peut le faire. On peut la garnison des Philistins ici, des Émimes et des Anakim ici. On peut la vaincre. Il a fait seul devant là-bas. Il est allé à l'arène. Il a défendu l'église. Il a parlé. Il a parlé. Avec audace, on a pris de lui l'audace. On a pris de lui l'excellence. Donc, c'est le genre de personne qui, même s'il a son église en brousse au fin fond d'un village, mon ami, il va arranger ça. On doit mettre les lumières, les spots. On arrange. Il a investi des millions et des millions dans l'arrangement des églises. Dans l'arrangement des églises. Et pendant qu'il s'investissait pour le ministère, pour l'église, il s'est oublié lui-même. C'est-à-dire qu'il a travaillé au point d'oublier sa propre famille juste pour l'église, l'intérêt de l'église. Partout, même si c'était dans une forêt de pygmées, où le docteur Jean-Doc Camden ouvrait une église, il allait tout faire. On va peindre l'église, on va mettre les staffs, on va mettre les carreaux au sol, on arrange tout. C'est pas comme nous, là, nous, on fait nos cultes dans la poussière. Donc, cette excellence, on a pris ça de lui. Et puis, il nous a aussi montré qu'un homme de Dieu peut acheter une belle voiture. La percée financière. Que non, la médiocrité dans laquelle nous étions en tant qu'homme de Dieu, là, on peut briser cette médiocrité-là et puis traverser la barrière, la ligne rouge.
Et aujourd'hui, on est venu, on achète maintenant des voitures que lui-même, il n'a pas achetées à l'époque. Bon, on ne peut pas ne pas reconnaître ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il a eu des problèmes, qui l'a crucifié? C'est l'Église. C'est nous. C'est les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui ont commencé à parler, faire des publications contre lui et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il est parti, il est en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de profiter, mais j'ai dit qui est perdant. C'est le Cameroun qui est perdant. C'est le Cameroun qui est perdant. Chaque homme de Dieu qui s'en va, mes amis, c'est une bataille que nous perdons. C'est une guerre remportée par Satan. Ou c'est une bataille que Satan a remportée sur l'Église. Au lieu de nous associer et de dire, et comme j'ai eu à dire, vous dites que, ok, nous voulons voir les hommes de Dieu. Peut-être la Sadec, c'est 200 millions, je ne sais plus combien c'est. On dit 10 millions, 2 millions. Pardon, 100 hommes de Dieu, 2 millions, on va résoudre ça et puis c'est fini. Bon, dans tous les cas, c'était une parenthèse. Je vous montre les héros du Cameroun qui sont morts et qui se sont retrouvés abandonnés. Je connais un autre papa du Cameroun ici, un père du réveil. Je ne sais pas, c'était Batibona, quelque chose comme ça. Qui a marqué le Cameroun, marqué l'église du Cameroun avec des signes, des prodiges, des miracles. Mais il est mort parce qu'il manquait une poche de sang. Il manquait les poches de sang, l'anémie. Il est mort d'anémie sévère à l'hôpital. Il manquait quelqu'un. Tous ses fils ont disparu. Tous ont disparu. Tous. Il est mort parce qu'il manquait une poche de sang. Lui qui avait envoyé ses enfants en Europe, partout, partout, s'est fait former et tout ça. Il est mort, abandonné. Donc, la solitude, c'est une malédiction que nous partageons en tant qu'hommes de Dieu. Et maintenant, il faut comprendre ce que les gens doivent savoir, c'est que chaque homme de Dieu doit savoir et chaque chrétien doit le savoir. Le ministère est d'abord un tombeau. Le ministère, c'est un cimetière. Le ministère aspire tes années si tu le gères mal. Tout homme de Dieu qui gère mal son ministère, le ministère va le tuer. C'est-à-dire que la cause principale et primordiale de la mort précoce des hommes de Dieu, c'est le ministère. C'est parce qu'ils sont dans le ministère. C'est le ministère. C'est ça la vérité. À partir du jour où Dieu t'appelle à son œuvre, tu dois faire attention. Parce que sinon, c'est ton ministère-là qui va être, c'est-à-dire ta tombe, ton cimetière, c'est là qu'on va t'enterrer. C'est ton ministère qui va précipiter ta mort. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 25 à 28, j'ai été dans le travail et dans la peine. J'étais dans le travail déjà. Le ministère, c'est le travail. Je parle de ceux qui font un vrai travail, un travail authentique devant le Seigneur, tout leur cœur. Donc, j'ai été dans le travail. Maintenant, la peine. Vous savez, la peine donne l'AVC. La peine produit des maladies cardiovasculaires. C'est des pressions que vous ressentez en vous, dans votre cœur, qui peuvent vous donner des palpitations de cœur. Donc, il dit, j'ai été dans le travail. Et nous travaillons sans nous reposer, ce qui est aussi une cause de mort, en fait. Ça peut causer ta mort. Nous avons papa Zafomoun qui est mort par excès de travail et de jeûne. Voilà un héros de l'église du Cameroun, qui est aussi mort à 75 jours d'année. Il n'a pas atteint 60 ans. Il avait 60. Papa Tibi Joshua qui est mort avant 60 ans. Non, mes amis, il faut faire attention. Et quand vous regardez sa vie, c'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. Nous prions. J'ai une nuit de prière aujourd'hui. Après ça, je vais quitter. Je fais la nuit de prière à Douala. Je fais culte à Yaoundé. Je finis. Je vais faire culte à Douala. Je voyage sur près de 400 km. Mais entre-temps, tous ceux qui ont fait culte avec moi ici à Yaoundé prennent le taxi, vont chez eux. Ils sont en train de manger. Les hommes juifs de leur femme, les femmes juifs de leur mari, les juifs de leur famille. Moi, je suis en train de faire 400 km assis. Et mes reins prennent des coups. Mes reins prennent des coups. Et ça, c'est clair. Mon corps prend des coups et il s'épuise. Et j'arrive là-bas, je ne me repose pas. Je mange quoi? J'achète peut-être des chouquettes ou j'achète de la pâtisserie ou bien de la viennoiserie. Mais toutes ces choses-là ne sont pas bonnes pour la santé. Mais je n'ai rien à manger. Je dois prendre ça comme ça. Je prends ça peut-être avec du cappuccino et je bois et je mange. Je m'empoisonne en réalité. J'arrive à Douala, je me mets encore debout pour 3 heures de temps de ministère. Le plus souvent, nous finissons. Je prends la route encore avec mon chauffeur et nous revenons. Mais au fil des ans, vous vous épuisez. Votre corps s'épuise. Vos forces s'amenuisent. Et tout à fait, votre mort est précipitée, peut-être lentement, mais sûrement. Et c'est de ça qu'il parle. J'ai été dans le travail et dans la peine. Prenons le cas de dimanche passé.
Samedi, je fais 500 km. J'arrive à Bertois. Le matin, je fais culte. J'ai peut-être 3 ou 4 heures de temps debout à parler, dépenser les calories. Vous savez ce que c'est que les calories que nous dépensons en tant qu'homme de Dieu. Je reprends la voiture, je fais encore 500 km. Et je suis ici. Ça fait 1000 km en moins de 24 heures. 1000 km. Et être assis pendant 1000 km. Mes amis, vos reins, là, la ceinture rénale, les jonctions là en bas, tout ça, et la sédimentation au niveau des reins, et ce qui provoque des calculs rénaux, etc. Donc, ces choses-là épuisent les hommes de Dieu au fil des temps et des ans. Si un homme de Dieu n'est pas sage pour comprendre, et il faut faire une restriction, alors automatiquement, atteindre 60 ans devient un grand défi. Ça devient un grand défi. Et ça fait 3 jours que j'ai eu une vision dans laquelle un ange du Seigneur m'a apparu. Il m'a dit, Ferdinand, la manière dont tu travailles, il faut faire attention. Et il m'a dit, fais attention, souci de peur de t'exposer à des AVC. Ouais. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Et longtemps, de la faim, la soif, pour longtemps, ça épuise le corps. Parce que nous servons Dieu, mais dans notre corps. Et le corps se fatigue. Des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et écoutez maintenant, et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et je suis assiégé tous les jours par les soucis que me donnent toutes les autres églises. Voilà pourquoi je dis que la première cause de la mort des hommes de Dieu, c'est le ministère. Le ministère d'abord te tue. Si tu gères mal ton ministère, tu vas mourir avant. Ouais, tu vas mourir très tôt. Tu vas mourir vraiment, vraiment très tôt. Il dit que, sans parler, il dit qu'il est assiégé. Il est assiégé par les soucis que lui font des églises. Donc, la mort des hommes de Dieu vient du ministère. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes du ministère. Là, si tu n'étais pas un homme de Dieu, tu n'aurais jamais ça. Maintenant, quels sont donc les facteurs distinctifs qui peuvent provoquer la mort précoce d'un homme de Dieu? Premièrement, il y a le mauvais entourage. Le mauvais entourage. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de solidarité entre les hommes de Dieu. Oui, ça, c'est Joy Favre Abraham qui l'a dit. Et c'est vrai. Il n'y a pas de solidarité entre les hommes de Dieu. C'est ça, la réalité. Donc, le faux entourage, le mauvais entourage, la plupart des hommes de Dieu nous sont très, très mal entourés. On est mal entourés. Et ça, c'est récurrent. Hein? L'apôtre Johnson Suleiman a rendu un témoignage. Écoutez bien, au niveau où il est parvenu. Et ça l'a amené à prendre de grandes réformes, à engager de grandes réformes dans son ministère. L'apôtre Johnson Suleiman expliquait, après quelques années de son ministère, ça ne fait pas longtemps, hein, il s'est rendu compte que tous ceux qui travaillaient dans le département des finances étaient véhiculés et chacun d'eux avait conçu son grand duplex. D'autres étaient engagés dans des affaires et tout. Et c'est là qu'il se rend compte que les gars détournaient des millions et des millions de l'argent de l'église. Des millions et des millions. Ils ont conçu des maisons, lancé des grandes affaires internationales parce qu'on leur avait confié les comptes. Et quand ils étaient avec l'homme de Dieu, c'était « Oh non, vraiment, papa, papa, daddy, daddy. » Mais ils volaient. Donc, l'une des causes de la mort précoce des hommes de Dieu, c'est le mauvais entourage. C'est-à-dire que tu es entouré avec des personnes qui rient avec toi. Mais lorsqu'elles tournent le dos, elles te maudissent. Elles parlent mal de toi. C'est le poison qui sort de leur bouche. C'est-à-dire, elle parle de vous, le genre que si vous étiez là, vous alliez vous évanouir. Mais dès qu'elle vous voit, oh daddy, mon père, il n'y a pas deux. Ah non, il n'y a pas deux prophètes sur la planète Terre-ci. Même si on va sur Mars là, c'est vous le seul prophète sur Jupiter. Mais quand cette même personne parle de vous à quelqu'un dehors, où vous ne voyez pas, vous n'êtes pas présent, la personne vous insulte, elle vous calomnie, elle vous salit. Mais elle oublie que Dieu voit et que Dieu juge et qu'il est témoin. C'est ça la réalité. La plupart là, ils rient avec leur père spirituel, mais quand ils sont seuls, ils disent des méchancetés contre leur papa. Donc on est mal entouré en fait. Peu sont ceux qui sont autour de leur pasteur, de leur père spirituel, qui croient en eux et les défendent. C'est-à-dire tu tentes de parler mal de son père spirituel, tu te dis que si tu ne veux pas qu'il finisse avec toi maintenant, ne prononce même pas « Ah ». Ne prononce pas « Ah, sur mon père ». Ne prononce pas, ne commence même pas. Je dis encore bien, sur 10 personnes qui nous entourent, 8 au moins, murmurent contre nous.
nous font des reproches en secret. Fustigent ce que nous faisons. Remettent en cause nos décisions. C'est ça la réalité. Critiquent le travail qu'on fait comme si c'était facile. Comme si eux pouvaient venir faire le travail là. Pardon, envoie-moi le cœur et partageons la vidéo. C'est ça la réalité. Peu sont ceux qui sont vrais envers leur père spirituel. Peu sont vrais. C'est-à-dire là, avec toi là, j'ai un homme de Dieu. Laissez-moi raconter cette histoire-ci. J'ai un ami qui est allé voir, je ne vais pas prononcer le contemporain. Il est allé au Nigeria rencontrer, il voulait rencontrer l'apôtre John Suleiman. Il est arrivé, il y avait un pasteur là-bas qui était chargé d'aider les gens qui venaient pour le rencontrer et tout. Mais le pasteur là a saqué l'apôtre John Suleiman chez mon ami là de manière horrible. Et je connais un autre jeune prophète, un frère dans le ministère qui est allé à Douala rencontrer un homme de Dieu. Il est au secrétariat. C'est le secrétaire de l'homme de Dieu qui lui dit, ah, l'homme de Dieu, si vraiment c'est des faux, hein. Les anglophones, si là, les gars ne pensent qu'à eux. Je suis chez travail depuis là, je ne gagne rien. Je ne gagne rien du tout. Il n'y a que lui qui profite et tout. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, je suis allé, j'ai raconté l'histoire de quand je travaillais à Dunamis, quand je faisais mon émission à Dunamis. Je suis allé un jour, c'est que le directeur de Dunamis m'a raconté sur son patron, le docteur Diendo Kamden, car tu sais, les Bamileke, là, ils aiment manger entre eux, vraiment. Si je suis obligé aussi de tricher un peu pour nourrir aussi ma petite famille et tout. Mais si quelqu'un à qui tu confies ton ministère parle de toi comme ça, mon ami, tu es mort. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Beaucoup d'hommes de Dieu là, nos fils nous maudissent dans le secret. Quand ils sont entre eux, ils parlent, ils nous insultent. Des hypocrites patentés. Voilà pourquoi il y a des choses que moi je ne tolère pas. Et je suis en train d'entrer dans une saison de ma vie où je vais prendre des décisions fermes qui vont apporter un changement profond, un bouleversement profond dans ma vie personnelle et dans mon ministère. Parce qu'à un certain moment, il faut dire non à certaines choses. À un certain moment, il faut dire non. Quand on veut exagérer, il faut dire non. La patience a des limites. Même Dieu a des limites dans sa patience. On prend des décisions fermes. On ne rentre pas en arrière. Ça n'épargne personne. Donc, mes amis, ça pose problème. La plupart des gens là qui sont avec nous, dans leur maison, nous maudissent. L'entourage. La plupart là. Qui voient les leaders, nos collaborateurs. Ah oui, oh ouais, papa. Des hypocrites. Même le diable n'est pas hypocrite comme ça. Oh non, père. Oh non, notre papa. Aïe, aïe, papa, non, oh, oh, c'est bien, ah. Mais quand ils sont là, quand ils sont entre eux, allez entendre ce qu'ils disent. Vraiment, tu entends ça, tu vas tomber en syncope. Donc, ça, c'est l'un des facteurs. L'autre facteur qui est aussi très capital, la semaine prochaine, je vais revenir encore sur ça, c'est les faux mariages. Le faux mariage, notons ça. Le faux mariage. Le faux mariage. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent à cause des faux mariages. Dernièrement, j'ai un ami, un bien-aimé qui est mort du côté de Douala, un apôtre, quelqu'un qui m'était très cher, où j'avais beaucoup de respect. Je ne suis pas allé à son deuil. Je ne suis pas allé à son deuil. Je ne suis pas allé. Parce que je ne veux pas être hypocrite. J'ai fait mon deuil de mon côté. Je ne suis pas allé parce que de son vivant, il m'a raconté ce qui se passait avec sa femme. La façon dont sa femme l'avait traité et le traitait. J'ai dit, je ne peux pas aller là-bas. Je ne pars pas. Je vais aller consoler une femme en connaissant ce que son mari m'a raconté, qu'elle lui a fait vivre. Je peux pas, je vais aller lui dire quoi, mes condoléances, comment? Mes condoléances, comment? Il s'est confié à moi. Et il m'a dit que sa femme, ses agissements-là, vont précipiter sa mort. Et il était hyper tendu, diabétique. C'est le problème, mes amis, c'est sérieux. Le mauvais mariage. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent tôt à cause de l'enfer que leurs épouses leur font vivre dans leur foyer. Lorsqu'un homme de Dieu fait un faux mariage,
Mon ami, tu as des problèmes, tu es dans des problèmes. Le plus grand piège que le diable peut poser devant un homme de Dieu célibataire qui est ouin, qui porte un grand manteau et qui a un grand avenir. Il faut savoir, homme de Dieu célibataire, le plus gros piège que le diable te posera, le rendez-vous sur le carrefour du mariage. Faites attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, je répète. Le mariage pour les célibataires, faites attention. Pour ceux qui sont déjà tombés dans le mauvais mariage, vraiment nous prions que Dieu vous sauve, qu'il vous vienne au secours. Vous êtes dans des sérieux problèmes. Parce que si tu fais un mariage avec une femme qui ne te respecte pas, une femme qui ne craint pas ton Dieu, une femme qui n'est pas fidèle ni à toi, ni à ton Dieu, ni au ministère, une femme qui ne peut pas protéger le ministère, qui est insensée, qui peut poser des actes qui détruisent l'œuvre de Dieu, ce qui est sûr, elle aura sa récompense. Elle aura sa récompense. Dieu ne la laissera pas. Ah, parce que la Bible dit que si nous détruisons son temple, il nous détruira aussi. Ça, c'est clair. Mais cependant, tu perdras, tu mourras. Tu mourras. C'est pour ça que vous voyez des femmes insensées aujourd'hui, des hommes de Dieu qui vont épouser des femmes insensées. Complètement insensées. Une femme insensée. Il y a des problèmes. Je connais un homme de Dieu comme ça qui est mort comme ça à Douala. Excusez-moi, pardon. Figurez-vous, l'homme de Dieu prêche dimanche. Nous tous sommes assis. Hein. Il prêche, il prêche. Sa femme se lève et elle lui dit : ferme la bouche. Toi-même, tu pratiques ce que tu enseignes là. Hypocrite. Ça, c'est quoi ça ? Elle prend son sac, sa Bible, elle sort de l'église. Je ne dis pas comment raconter, je persévérerai là-bas. Je persévérerai là-bas. Et à la maison, quand son mari veut parler, ah, laisse-moi. Il veut laver les habits. Le monsieur avait déjà peut-être 65 ans. C'est lui-même qui lavait ses propres habits. Sa femme refusait de laver ses habits. Et ils avaient de grandes filles à la maison. Et les filles suivaient la voie de leur mère. Elle avait monté ses filles contre leur papa. Il lavait les habits lui-même. Et un jour, j'ai dit à ses enfants, ce que vous faites à votre papa, si c'est un oin de Dieu, vous porterez la peine de votre péché. La malédiction est sur vous. Et si vous ne vous repentez pas et n'arrangez pas ça maintenant, je vous dis la vérité, vos vies seront malheureuses. Ce n'est pas parce que c'est votre père. Dieu ne va pas vous épargner. Donc l'homme veut parler, c'est la femme qui prend le dessus. L'homme veut parler, la femme prend le dessus sur lui. Cet homme est mort malheureux. Son ministère, c'est normal, les gens sont partis. Quand tu épouses en tant qu'homme de Dieu une femme insensée, ton ministère ne peut pas prospérer. Parce que les gens peuvent dire des choses sur toi. On peut dire des choses sur toi, mais l'église va quand même douter. L'église va se dire non. C'est notre papa. Mais si c'est ta femme, ta propre femme, celle que tu appelles ta femme, avec qui tu partages ton lit, qui se lève pour commencer à te saboter, dit du mal sur toi. Mais l'église va croire. La plupart, ceux qui sont mal affermis vont croire. Ils vont dire oui, c'est ça. Et l'église va se vider. Donc beaucoup d'hommes de Dieu, leurs églises n'arrivent pas à réussir à cause, leur ministère ne réussit pas à cause du faux mariage. Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Une servante de Dieu qui fait un mariage avec un homme impie, qui n'a aucune crainte de Dieu, qui ne respecte pas le saint sacerdoce. Son ministère ne réussira pas. Parce que si ton mari est ton ennemi, mon ami, tu es un vrai ennemi. Ça veut dire que vaut mieux avoir le diable pour ennemi que d'avoir ta femme ou ton mari pour ennemi. Parce qu'avec le diable, vous n'êtes pas une seule chair. Avec ta femme là, c'est une seule chair. Ton mari là, c'est une seule chair. C'est-à-dire qu'il te touche. C'est la seule personne qui peut te toucher. Tu ressens ça dans ta chair. Dans tes os. Tu ressens ça dans tous les organes de ton corps. Vous voyez par exemple, un homme de Dieu, il a des problèmes avec sa femme. Et la femme porte ses bagages et elle part. L'église apprend que la mère a quitté le père. Elle est retournée dans sa famille. Mon ami, vous connaissez la conséquence que ça aura sur le ministère et sur le moral des troupes, du troupeau de Dieu. Et c'est vous imaginez, quand tu as une femme comme celle-là qui ne peut pas réfléchir aux conséquences de ses actes, mon ami, ton ministère est fini. Tu ne peux pas aller loin, tu es mort. Appelle-nous, on t'aide à creuser seulement ta tombe, on attend seulement ta montre en terre. C'est une femme insensée. C'est une femme insensée. Ou tu es un homme, tu épouses une femme qui est servante de Dieu. Tu tapes sur elle. Tu profanes
le saint sacerdoce. Mon ami, madame, votre ministère ne peut pas. Tu dois épouser une femme qui croit en toi, qui te respecte, qui respecte Dieu, qui honore la parole de Dieu et qui est soumise. Et je dis encore que ce problème de soumission est un réel problème. Il faut faire attention avec. La soumission, c'est un vrai problème dans l'église aujourd'hui. Si une femme ne peut pas être soumise, ne l'épouse pas. Non, ça jamais. Même si tu aimes la femme, là, comment? Parce que imaginez-vous que vous ayez le ministère. En plein culte, peut-être, tu veux faire juste une petite remontrance à ton épouse. Elle te prend en sandwich devant les gens. Ou même si elle ne parle pas, elle réagit en sorte que les gens comprennent. Ça dit quoi? Elle riposte à ton autorité. Elle remet en cause ton autorité. Mais il y a des femmes qui sont bénies de Dieu, qui ont laissé le Seigneur remplir leur cœur de son Esprit Saint. Des femmes, quand tu lui dis, ok, ça ce n'est pas bien, chérie, ce que tu fais ici, c'est pas bon, ici là ce n'est pas bien. Elle dit, oh mon Seigneur, que l'Éternel ton Dieu me donne la sagesse pour mieux faire. J'ai compris, désolé papa, la prochaine fois ça sera meilleur, je te promets. C'est simple. La même chose. Tu es servante de Dieu, le Seigneur t'a oint, tu as un mari, tu veux lui dire que non, bébé, ce que tu as fait ici dans le ministère, ce n'est pas bon. Selon la déontologie ministérielle, on ne fait pas comme ça. Et il se lève contre toi. Il dit, tu vas m'enseigner quoi, une femme? Tu es qui? Tu veux me dire quoi là? Quitte-moi là. Fous-moi le camp et tout ça. Et que tu veux lui donner des instructions devant les gens à l'église concernant le ministère parce que le Seigneur t'a appelé au ministère et que lui s'oppose à toi. Et puis, il te lance une opposition, une contre-attaque. Mon ami, les gens ne te respecteront pas. Si ta femme ne te respecte pas, personne ne te respectera à l'église. Si ton mari ne te respecte pas, personne ne te respectera. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des églises où les femmes des hommes de Dieu n'ont pas de place. Personne ne les respecte. On leur parle n'importe comment. Parce que le mari a ouvert la voie à ça. Il parle n'importe comment. Il parle n'importe comment à sa femme en public. Donc, c'est normal que les leaders aussi parlent n'importe comment à la femme du pasteur, que les jeunes soient à la chorale, commencent à la mépriser. Pourquoi? Et vous savez que dans l'histoire d'Esther et de Vasti, lorsque Vasti s'est rebellée contre l'autorité du roi, qu'est-ce que les sages ont dit au roi Achuérus? Que si tu ne la punis pas sévèrement, si tu ne la chasses pas de ton palais, alors nous tous là, on est dans les problèmes. Parce que chaque femme dira à tous tes princes et dans tout le peuple, on dira, même la reine Vasti a manqué de respect à son mari, au roi. Le roi a fait quoi? Est-ce qu'il a chassé? Toi, tu me chasses, tu es malade, tu es le roi. Si le roi lui-même, on est monté sur sa tête, toi, tu as même quoi pour que je ne monte pas dessus? Avec ta petite tête même ici, là, ta grosse tête, c'est la bouillie qu'il y a dedans. Le roi lui-même, on monte sur sa tête. Il ne dit rien, il ne chasse pas sa femme. Et toi, on monte seulement, toi-même seulement sur l'épaule que je suis monté. Et tu veux déjà jacasser, baragouiner, zozoter, blaiser, zézailler. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, on lui a dit, vraiment roi, ton honneur et ta royauté sont plus importants que le mariage. Et je veux dire à chaque homme de Dieu, femme ou homme, ton ministère et ta vocation sont plus importants que le mariage. Ne vends pas ton ministère par amour. Ne détruis pas ta destinée devant Dieu. Parce que le travail que nous faisons, c'est quand même très important. Nous sauvons des vies. Nous sommes engagés dans une guerre salutaire. Nous dépeuplons l'enfer pour peupler le royaume de Christ. Ce travail est noble. Vaut mieux finir seul que d'avoir une femme qui ne te respecte pas ou un homme qui va détruire ton ministère. Vraiment, si tu te rends compte que l'homme-ci que je vais épouser sera un frein pour mon ministère, par amour pour Dieu, il faut abandonner la personne. Laisse partir la personne. Même si tu aimes la personne, comment? Laisse-la partir. Tu auras mal. Ça va faire mal. Mais pour un certain temps, Dieu te consolera. S'il y a une femme que tu veux épouser et que la femme est immature, à ce qu'on soit le ministère, son immaturité détruira ton ministère. C'est ce qui est arrivé. Le ministère d'Adam a été détruit dans le jardin d'Éden à cause de l'immaturité de sa femme Ève. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites afin qu'elles nous servent de leçon, pour nous donner de l'instruction. Donc ne va pas mourir où d'autres sont morts. La Bible dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, c'est la vallée de Baca. C'est la vallée de Baca. Béret avait dit en hébreu, pleure. C'est où les gens meurent et on pleure. Quiconque est entré là-bas n'est pas sorti. C'est les pleurs seulement. Mais tu as vu comment les gens sont entrés. Tu as vu ce qui les a fait tomber. Tu as vu ce qui les a tués. Toi, tu entres et tu t'en sors parce que tu as appris de l'échec des autres. L'amour ne doit pas te pousser à vendre ton ministère, ta vocation.
Non. Bon, maintenant, supposons, écoutez, attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Je veux parler. Quelqu'un est fâché, vraiment il peut en partir, il ne regarde plus mon direct. Demain, tu viens, on va parler d'autre chose. Maintenant, je pose une question. Je vais vous poser une question simple. Si tu épouses une femme et que la femme devient un scandale pour ton ministère, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou tu épouses un homme et l'homme devient un scandale pour ton ministère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut divorcer. Non, il faut divorcer. Il faut la libérer. Laisse-la partir. Divorce d'elle. Ou divorce de lui. Il faut divorcer. Si tu veux sauver encore ton ministère, s'il y a quelque chose que tu veux sauver encore dans ton ministère, sauve ta vie, sauve ton âme. Paul a dit, ne sont pas du milieu de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Maintenant, je reviens sur ça. Jésus-Christ n'a jamais interdit le divorce. Asseyez-vous bien. Jésus n'a jamais interdit le divorce. Jésus n'a jamais interdit le divorce et la Bible n'a jamais interdit le divorce. On ne fait pas la promotion du divorce parce que les ennemis vont dire non. Expliquons la Bible, mais expliquons-la avec sincérité. J'ai vu enseigner sur le problème du divorce et j'ai fini à la radio. Quand j'ouvre la radio, il y avait un armada d'hommes de Dieu qui m'attendaient, partaient d'hommes de Dieu qui étaient dehors là, ils attendaient. Que comment tu peux dire que le divorce n'est pas interdit dans la Bible? Ça va encourager les gens à divorcer. J'ai dit que ceux qui divorcent sans la Bible là, qui les a encouragés? Est-ce que il faut mentir? Il a dit que non, c'est des choses qu'on ne dit pas en public. Écoutez-moi ce que les hommes de Dieu me disent. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on ne dit pas en public. Parce que ça va encourager les gens à divorcer. Et je lui ai demandé, est-ce que ce que j'ai enseigné n'est pas biblique? Il a dit, c'est biblique, mais il ne faut pas dire ça. J'ai dit, donc il y a des vérités dans la Bible qu'il faut retenir. La Bible n'a jamais interdit le divorce. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il ne faut pas divorcer. La Bible donne les conditions du divorce. Les conditions du divorce. Jésus a dit au temps de Moïse, la Bible disait que la Torah expliquait si là-bas vraiment c'était mauvais. Si une femme te plaisait, puis tu lui fais une lettre de divorce, et puis c'est fini. Et puis elle part. Mais Jésus-Christ a dit non, c'est pas bon. Comment une femme, tu as épousé une femme, elle ne t'a rien fait, tu dois se faire un divorce, c'est trop facile. Jésus revient donc maintenant. Jésus revient maintenant pour dire que un homme ne doit pas répudier sa femme sauf pour cause d'adultère. Sauf pour cause d'adultère. En français, mes amis, si tu fais littérature, tu comprendras que ça veut dire excepté en cas d'adultère. S'il y a un cas d'adultère, en ce cas-là, dans ce cas, tu peux divorcer. Donc la Bible n'interdit pas le divorce en fait. Mais Jésus régule le divorce. Donc il n'y a aucun passage de la Bible qui dit que tu ne dois pas divorcer, tu dois mourir dans le mariage. Non. Il faut bien comprendre. Et je vais vous expliquer ce que l'Écriture explique. C'est les méandres des Écritures. Donc Jésus explique que si tu dois divorcer d'une femme, il faut avoir la preuve qu'elle t'a trompé. En fait, non. Même pas qu'elle t'a trompé pour cause d'adultère. Maintenant, vous prenez le grec. Adultère, là, en grec, c'est porneia. Et porneia, en grec, signifie trois choses. Porneia signifie avoir des rapports sexuels avec le même sexe, dans le lesbianisme ou l'homosexualité. Lorsqu'un homme va avec un homme ou une femme va avec une femme, c'est ce que porneia veut dire. Avoir des rapports sexuels avec le même sexe. Donc Jésus disait, si ta femme, tu la surprends en train de coucher avec une autre femme, tu divorces d'elle. C'est ce que Jésus dit. Là, je te permets, tu divorces d'elle. Porneia signifie, ou bien ton mari, tu le trouves en train de faire l'homosexualité. C'est-à-dire de pénétrer un homme de façon anale. Tu ne vas pas dire non, je ne l'ai pas trouvé avec une femme. Non, porneia veut dire avoir les rapports sexuels avec le même sexe, l'homosexualité. En ce temps, il a brisé la loi du mariage. La permission t'est donnée de divorcer. 2. Porneia signifie avoir des rapports sexuels avec un animal. La zoophilie.
Donc, si tu attrapes ta femme en train de coucher avec un chien ou ton mari en train de défoncer une chèvre, en ce moment, Jésus dit, tu peux divorcer de la personne. 3. Pornée avait dit avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou bien ta femme. Or, en français, on ne voit pas tout ça. Et c'est la même chose avec le passage de la Bible où Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, je t'aime. Or, et Jésus demande quoi? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. 3 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Agapao. Agapao qui veut dire l'amour sacrificiel. Est-ce que tu m'aimes au point de mourir pour moi d'un amour sacrificiel? Et Pierre lui dit, je te philo. C'est-à-dire que je t'aime, mais je ne peux pas mourir pour toi. S'il y a un problème là, moi, je vais te laisser. Et Jésus est étonné, lui dit, Pierre, donc tu me philo seulement. Mais en français, on dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça fait que les lecteurs francophones et francophiles directement manquent la quintessence et la perspicacité de l'explication du passage, en fait. Ouais, de l'esprit du passage. Donc Jésus n'a pas interdit le divorce. Il a réglé le divorce. Maintenant, l'apôtre Paul dit que aussi longtemps qu'une femme est mariée, elle est liée à son mari jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui peut les séparer. Maintenant, je vous pose une question. L'apôtre Paul va revenir en expliquant simplement que si une femme, un couple non croyant vient au Seigneur, la femme accepte le Seigneur, et l'homme n'accepte pas le Seigneur, la sœur peut divorcer. Non, mais attendons, à ce moment-là, il y a une contradiction. C'est le même Paul qui dit que aussi longtemps qu'une femme est attachée à son mari ou qu'un homme est attaché à sa femme, ils sont mariés jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort pour les séparer. Mais comment le même Paul vient expliquer maintenant que si une sœur est dans un couple non croyant, la sœur croit, la femme croit, et l'homme ne veut plus de la femme, il ne veut pas qu'elle soit enfant de Dieu, il s'oppose à sa foi, la femme est libre de divorcer de son mari, elle va se remarier, elle n'a pas commis d'adultère. La Bible dit que celui qui répudie une femme pour en épouser une autre commet adultère. C'est ça la réalité. Mais de quoi est-ce qu'il en est question dans le passage? Il dit celui qui répudie une femme, ça veut dire quoi? Injustement. Mais si tu l'as répudié pour cause d'adultère, alors automatiquement tu peux te remarier. Maintenant, il faut comprendre une autre chose, c'est que la Bible donne plusieurs raisons où on peut divorcer. Jésus a parlé de l'adultère, mais Jésus n'a jamais dit que si une femme croyante et avec un mari non croyant, le mari la persécute, etc., elle a le droit de divorcer. Non! Non! Mais c'est Paul qui le dit. Donc, Paul donne une autre raison de divorce. Il dit que si ton mari est non-croyant ou ta femme est non-croyante, elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu et elle veut t'empêcher de servir le Seigneur en ce moment-là, tu peux divorcer, tu es libre. C'est fini. Mais aussi longtemps que tu es marié à ton mari ou à ta femme et que ni le mari ni la femme, personne n'a enfreint les lois fondamentales du mariage, alors automatiquement, vous êtes liés par le mariage jusqu'à la mort. Voilà en fait, de façon simple, et un langage d'enfant, ce que la Bible enseigne globalement sur le divorce. Donc, bien aimé, c'est pas que nous encourageons le divorce, mais si le mariage veut déjà t'amener en enfer, Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Si ton œil, et je vous donne un autre exemple, je vais finir avec mon temps même, demain on va continuer avec. On a une sœur qui s'est mariée dans une église là, je vais pas donner le nom, à Bafoussam ici au Cameroun. La sœur, vous savez, la sainteté est fondamentale dans le mariage, ça c'est bien. Ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander ça à un enfant de Dieu. Pardon. Mais quand ils se sont mariés, la femme a découvert que l'homme n'avait presque pas de sexe et il était impuissant en plus. L'homme n'avait presque pas de sexe et il était impuissant. C'était un magistrat, c'est un frère qui est toujours là. La sœur est allée porter plainte à l'église. Et un an après, elle dit que où je suis là, je ne mange pas. On lui dit non, il faut supporter. La Bible dit qu'il ne faut pas divorcer. Non, 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 il faut supporter. Ça a été toujours comme ça. 2 ans, 3 ans, la sœur dit que je ne veux pas aller en enfer. Mon corps est en train de me persécuter. Je sens des fourmillements déjà. On lui dit non, il faut supporter. Après, l'église s'est assise. On a examiné le problème de la sœur. On a demandé au frère, est-ce qu'avant le mariage, tu étais impuissant? Il dit oui. Est-ce que tu savais que tu as un petit matériel? Il dit oui.
Pourquoi tu n'as pas dit à la sœur? Pourquoi tu as pris la fille d'autrui pour la punir? C'est méchant. C'est injuste. L'église a proclamé, c'est une église traditionnelle, hein, une église traditionnelle, tranchante. L'église a proclamé le divorce. On a libéré la sœur. Au Nigeria, aux assemblées de Dieu, ça s'est passé aussi, la même façon. Un frère épouse une sœur. Ils ne se sont pas connus. Et après le mariage, il veut remplir son devoir en toute bonne conscience devant le Seigneur. Il se rend compte que la sœur n'a pas de passage. La porte est encadenassée et la sœur n'a pas la clé. La clé est perdue. Il demande la clé est perdue. Le frère commence à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. Un an, deux ans. Il dit que depuis que je suis là, je n'ai pas de rapport sexuel avec ma femme. On dit comment? Il explique qu'elle n'a pas de passage. Il n'y a que le trou pour uriner. On dit non, la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer. Il dit que je ne veux pas aller en enfer. Trois ans après, l'église les a fait asseoir. On a demandé à la soeur, c'est vrai? Oui. On a fait les examens à la soeur. Et puis, justement, elle avait une anomalie au niveau de son sexe. Donc, c'était juste un petit trou pour les urines. Alors, automatiquement, l'église a proclamé le divorce. Le frère a pris une qui avait le cadenas, mais avait la clé dans sa main. Ouais. Donc, en ce moment-là, on pose la question de savoir, est-ce que la Bible permet qu'on divorce parce qu'il n'y a pas de porte? Ta femme n'a pas de porte. Ou bien ton mari, il n'a pas de puissance de résurrection entre ses jambes. Non, en ce moment-là, c'est l'église, avec l'autorité qu'elle a, qui a décidé, et Dieu respecte cela, parce que nous avons les clés. Quand nous prenons certaines décisions, quand l'église décide quelque chose sur la terre, Dieu approuve la chose là-bas au ciel. Donc, c'est un peu ça. Voyez donc que dans l'église, on a, selon les cas, on a permis le divorce. Parce que le mariage ne doit pas t'amener en enfer. Donc, si tu te maries, au lieu d'aller en enfer, c'est mieux d'arrêter. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Mais je dis encore que, quand bien même vous allez être divorcé, comme le pasteur Chris Oyakhilome, sincèrement, ce n'est pas une bonne image pour un homme de Dieu. Quand tu divorces, ça laisse une marque indélébile pour toute ta vie, tout ton ministère. La tâche là ne sera plus effacée. Vous voyez? La tâche ne peut plus jamais être effacée. Voilà pourquoi vaut mieux prévenir que de guérir. Vaut mieux éviter ça que de tomber là-dedans. Donc, que chacun de nous fasse une prière sincère. Toi qui es célibataire, qui cherches à te marier, que Dieu te connaisse à la bonne personne et à la vraie personne. Si tu prends une petite côte, elle va flotter là-bas. Elle ne va pas toucher ton sternum. Tu prends une grosse côte, elle va percer ta chair, là, elle va sortir, tu vas marcher, on va te voir un bout d'os qui sort comme ça et tu ne seras pas à l'aise. Donc, il faut trouver ta pointure et ta pointure devant Dieu, selon Dieu. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Demain, pas demain s'il vous plaît, pas demain, j'ai une nuit de prière tout à l'heure. Donc, la semaine prochaine, lundi ou mardi, nous aurons notre direct à partir de 10h. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous en supplie, par les compassions de Jésus, abonnez-vous. Abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma page, pardon, abonne-toi avant de partir. Et que le Seigneur te bénisse. Ce soir, soyons connectés très nombreux à partir de 21h pour la nuit de flamme. Même en direct, le Seigneur te bénira. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Rendez-vous lundi à partir de 10h. May the Lord bless you, love you. Bye.